الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شفرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لونج الله سبحانه وتعالى et la bénédiction de Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Aujourd'hui, nous sommes les dimanches aujourd'hui. Nous sommes à l'heure comme ça, après la prière de Asr dans la mosquée, de notre grand imam Youssef, dans les quartiers Salbonnage ici. Le jeûne de Ramadan aujourd'hui, on a 25 jours. C'est ça, non? On a 25 jours aujourd'hui. 9e mois de l'islam. Le hijra du prophète qu'il a quitté la Mecque, parti Médine, ça fait 1439 ans. Et le calendrier des autres aussi, aujourd'hui, nous sommes les deux. 6e mois. Bien, 7e. C'est 6e mois. 6e mois, les 10 aujourd'hui. L'an 2018, nous sommes dans le mois du jeûne. Nous sommes toujours dans les surat al-Baqarah, 10e surat dans le Coran. Hier, notre oustaz nous a dit qu'on s'est arrêté 169. On devait quitter 178. Mais on va commencer hier parce qu'on a lu ça. J'ai dit, il y a quelque chose qu'on va expliquer dedans. Parce que c'est des versets qui montrent des lois. Et là, tu vas commencer. Hier, ayyuha allazina amanu kutiba alaykum al-qisas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى ينادي يا أيها الذين آمنوا أو vous qui ont cru الله كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص on vous a prescrit le qisas. Qisas, quand quelqu'un tue, on le rend, on le tue. C'est ça qu'on appelle qisas. Fait le côté là, dans la tuerie. Si quelqu'un tue quelqu'un, rendez la tuerie. Al-Khurri bel-Khur. C'est indigne. Tue indigne, on tue le digne. Wal-Abdu bel-Abdu. Si c'est un esclave qui a tué, on tue l'esclave. Wal-Untha bel-Untha. Si c'est une femme qui a tué, on tue une femme. Allah dit Faman ufiya lahu min akhihi shay'un. Maintenant, si quelqu'un tue quelqu'un, il faut qu'on le tue. Mais toi qu'on a tué ton proche, si tu dis non, je suis que c'est lui qui a tué, mais je pardonne, je ne veux pas qu'on le tue, on n'est qu'à me payer quotient. Est-ce que vous comprenez? On n'est qu'à me payer quotient, c'est ça qui est Ufia. Tu l'as fait Aufa, tu l'as acquitté, tu l'as pardonné, il a tué ton proche. Mais toi tu ne veux pas qu'on le tue, tu veux seulement qu'il te paye quoi? Quotient. Fatiba Obel Ma'arufi. Il a dit là, suivez ça avec les bons gestes. Et toi qui vas payer l'argent qu'on t'a dit, on te paye là. Il faut payer là. Toi aussi, il faut payer ça. Là, wa'ada ou il est ibi isal. Il faut donner l'argent là dans les bonnes conditions. Pourquoi là, c'était ça? Il disait, allez, katarfifu me rabbikum. Ça, c'est une facilité pour votre Allah. Wa rahma, c'est miséricorde. Allah accepté. Les Yahoud, les Nasara, Dieu n'a pas accepté ça pour eux.
Il n'est pas accepté, on peut payer caution à la part de quelqu'un. Mais nous, les musulmans, Dieu nous a donné certaines facilités. Si quelqu'un dit, non, je ne veux pas qu'on tue, on tue la personne, quand même payer caution, on paye caution, on laisse la vie. Parce que l'islam est là pour préserver la vie. L'islam n'est pas là pour enlever la vie. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça qu'il a dit. Si on te dit qu'il faut payer caution, il faut payer caution. Tu dois ça dans les bonnes méthodes. Ça, c'est une facilité de votre Allah et le miséricorde. Allah dit Famanihitada. Après celui qui a dépassé encore le limite, tu as demandé, on te paye caution. Et on t'a payé caution. Après, tu as pris caution et tu as tué la personne. Tu as fait tada. Tu as dépassé la limite. Ba'adaza alik. Après cette loi, Allah dit Fadahu azabun alim. Il a un châtiment douloureux au niveau de Allah. Allah dit voilà qu'on fait que sauce hayatou. Dans les sauces, quand quelqu'un tue, on le tue, vous avez conservation de la vie. La vie sera conservée. Parce que si quelqu'un tue et on le tue, demain la tuerie va être moins dans le pays. Parce que tout le monde ne veut pas se lever comme ça, petit à faire, et prendre bouteille pour poignarder quelqu'un. Et c'est que s'il a tué, on le tue, là les gens vont éviter de ne pas tuer. Et ça préserve quoi? La vie, hayatou. Mais Allah dit cette loi. Je m'adresse, c'est pas tout le monde. Allah dit à Oulil Al-Bab. Je m'adresse les gens qui ont l'intelligence. Parce que tu vas voir les gens qui sont là avec tous les diplômes. Mais ils n'ont rien dans la tête. Parce que le moment qu'on refuse la loi de Allah, et c'est nous notre loi qu'on veut travailler, ça montre qu'on ne connaît rien. Qui nous a créés? Le monde c'est pour qui? Qui nous connaît? Et pourquoi nous on va refuser son loi? Allah, il sait que c'est telle loi qui va marcher dans le monde. Et aujourd'hui, quand on a refusé cette loi, à cause de ça, Allah dit, je m'adresse à ceux qui sont intelligents. Allah dit, enfin, que la Allah compte ta cour. On va travailler dans cette verset. Allah dit, on vous a prescrit quoi? La rendre. Si quelqu'un a tué quelqu'un, on est qu'à le tuer. Ce n'est pas que moi ou toi, que Allah te dit, si quelqu'un tue ton frère, toi, si tu prends les machettes, allez le tuer. Non. C'est la loi qui va faire ce travail. Toi, tu n'es pas droit que quand tu es ton proche, tu le tues. Vous tous, vous êtes devenus des tueurs. Est-ce que vous nous suivez bien? Même si quelqu'un tue ton proche, tu n'es pas droit de le tuer. Si tu l'as tué, vous tous, vous êtes devenus des tueurs. C'est la loi qui va le juger. Et avant qu'on va le tuer aussi, l'islam n'est pas dit on attrape quelqu'un parce qu'il a tué, on va la tuer en même temps. Et il y a des procédures. Si on dit procédure, il y a des choses qu'on va passer. On va chercher à connaître, est-ce que ce monsieur, il est normal, il est conscient d'abord? Est-ce qu'il n'est pas dérangé? Est-ce que vous le suivez? Est-ce qu'il n'est pas dérangé? On va regarder ça d'abord. Ça, c'est premièrement. Et on va regarder deuxième, est-ce qu'il a tué par erreur ou bien par esprit? Les deux, on doit chercher. Il a tué par quoi? Erreur. Ou bien il a tué par quoi? Esprit. On cherche à connaître les deux choses. Et en troisième, on va chercher à connaître avec quoi il a tué. Parce qu'il y a des objets, quelqu'un, ça ne tue pas. Mais l'accident peut venir à travers de ça. Il y a des objets qu'on sait que tel objet, on peut prendre ça pour tuer. Il y a des objets, ça ne tue pas. Peut-être que toi, tu as pris ça, c'est un objet qui ne tue pas. Et tu as pris ça pour lui faire quelque chose et la mort est venue. Tout ça, on doit regarder. Est-ce que vous nous suivez bien? On doit passer par toutes les méthodes. Et si on a regardé tout ça, après on va demander les parents des défunts, celui qui est mort, celui qu'on a tué. Voilà, maintenant, les procédures sont passées claires. Que ce monsieur, il a tué votre parent par quoi? Volontairement. Ce n'est pas par erreur. Il a tué exprès. On va le tuer. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on le tue? Ou bien vous voulez qu'on lui paie quoi? Caution. Si vous tous, admettons c'est votre papa, ne demandez pas, c'est votre papa qu'on a tué. Vous êtes trois enfants. On va vous demander, on a tué votre papa. Tout le procédure, on a vu qu'il a tué par esprit. Pas par erreur, il a tué volontairement esprit. Maintenant, la loi lui donne qu'on doit le tuer. Et ce n'est pas dans tout le pays qu'on travaille avec les charia. Vous voulez qu'on le tue? Si parmi les trois enfants, deux, ils ont dit oui, on n'est qu'à le tuer. Et un a dit non, on ne le tue pas. Islam prend la parole de celui qui a refusé qu'on ne le tue pas.
On laisse la parole de Dieu quand on dit qu'on a quatre vies. Parce que l'islam veut qu'on conserve la vie. L'islam ne veut pas qu'on va faire quoi? On va tuer. Les gens qui ne connaissent pas l'islam, ils disent l'islam c'est violent. L'islam c'est tuer. Est-ce que l'islam on tue l'homme comme ça? Voilà la loi. C'est ça qu'on appelle sharia. Sharia, quand vous attendez, les gens crient, oh sharia c'est violent. Voilà sharia. Ce n'est pas qu'on tue l'homme comme ça, non. Même après d'avoir passé par tout le procédure, on ne tue pas. On va demander les parents des défunts. Est-ce que vous voulez qu'on le tue? Ou bien vous voulez qu'on fait quoi? On vous paye caution. S'il dit que non, on lui paye, on le paye caution. On paye caution, on ne tue pas. Et regardez encore. Ici, quand on vote, la majorité, c'est les gens qui sont beaucoup. Ou bien ce n'est pas ça. Si c'était vote, c'est deux. Ceux qui ont voté deux là, c'est leur travail, leurs paroles qu'on devait travailler. Mais comme l'islam, la loi d'Allah, ce n'est pas comme ça. Pour préviser la vie, si deux personnes disent on n'est qu'à tuer, mais un seul a dit non, on n'est qu'à payer caution. Allah dit prenez celui qui a dit on n'est qu'à payer caution, on garde la vie. Est-ce que l'islam est violent? Et caution, là, on va payer comment? Sans chameau. On paye caution, ça fait combien? Sans chameau. Allah donne la compréhension. Est-ce que les gens le suivent bien? C'est ça qui est la loi. Et c'est ça qui est la vérité. C'est à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Maintenant, si on te dit, ils ont dit, bon, nous, on ne veut pas qu'on te tue. On veut qu'on nous paye quoi? Caution. Vous, quand vous avez accepté qu'il ne faut pas qu'on le tue, c'est vous qui avez donné votre nom. Allah dit, Fatiba Obel Maruf, suivez avec ces gens-là, avec les bonnes méthodes. Ne les pressionnez pas. Parce que vous les avez pardonnés, vous allez pressionner. Amenez l'argent comme. Non, ce n'est pas comme ça. Et vous aussi, quand vous avez facilité qu'on ne tue pas votre proche, payez caution. Vous aussi payez l'argent là dans les bonnes conditions. Pourquoi là, il a dit ça, les cas. Cette loi qu'on a légère, on a facilité, ce n'est pas nous. C'est Tahafifu Merabikum. C'est Allah qui a amené cette facilité pour vous, les musulmans. Allah, pourquoi il a dit Warahma? Parce que Allah, il est le miséricordieux. Mais Allah dit maintenant, si on vous a payé caution, c'est vous qui avez dit on n'a qu'à payer caution. Celui qui a tué votre parent, il a donné caution. Après, vous avez sorti encore, allez le tuer. C'est ça, Allah dit Famani Itada. Celui qui a fait Itada, il a fait l'injuste. Baada, Zaleka. Après, on t'a donné l'argent, tu as fait. Allah dit Fadahu Azabun Alimun. Toi qui as tué quelqu'un, tu as pris caution encore, tu l'as tué, tu as les châtiments douloureux. Maintenant, nous qui sommes restés, qui critiquent la loi de Allah, Allah dit, voilà, confirme que ça se hayatou. Écoutez bien, quand on tue, on rentre, la vie sera conservée. Mais si on tue, on va amener quelqu'un en prison, 5 mois, 5 ans, il va sortir. On va amener, on dit, oh, quoi, avec les avocats menteurs, là, tout le monde va mentir, avec article quoi, 2 ans, quelqu'un tué ton frère, 2 ans, il est là encore en train de marcher. Quand tu le vois, est-ce que tu es content, bien, tu es en colère? C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la haine est remplie partout. Et ce qu'Allah dit, l'homme qui a tué ton proche, si on n'est pas passé par ça, on peut faire comment, n'importe comment, ton cœur ne sera jamais tranquille. Comment tu peux rencontrer quelqu'un qui a tué ton père et il est là, il marche, or que ton père est en bas de la terre? Quel enfant qui va accepter cette injustice sur la terre? Même gifle, quelqu'un qui a giflé ton père, est-ce que tu vas lui laisser? Gifle. On te montre, on dit voilà quelqu'un qui a giflé ton père. Wallahi, même si tu n'as pas la force, mais tu vas l'attaquer quand même. A plus fort raison, quelqu'un qui a tué ton père, il est là, il marche comme ça. Islam ne veut pas la justice. Et quand on a refusé cette loi, maintenant les gens tuent. On fait comment? On dit jugement, on l'amène en prison, il fait 5 ans, il ressort. Demain, il tue encore. Certains même ne font pas 5 ans. S'il a l'argent, il va payer un avocat diable. Il va sortir libre. C'est vrai ou faux? La loi de Allah, si on travaille avec ça, c'est ça qui sera bien pour nous. C'est à cause de ça, Omar ibn Khattab. Tu as vu, on a dit si quelqu'un tu le tue, non?
Si c'est une femme qui a tué, on ne peut pas dire parce qu'une femme, elle est la mère des enfants. Si la loi l'a jugé, on a vu qu'il a tué par esprit. On la tue. On la tue, les gens te regardent. Si on a tué quelqu'un, les gens voient comme ça. Demain, qui va oser de se lever la main pour tuer quelqu'un? Regardez aujourd'hui comment la tuer est devenue facile. Il y a 7 personnes qui associent, on a tué une seule personne. Omar a dit, on est capable de tuer tous les 7. Les gens disent, « Eh, ça va à tout le monde. » Omar a dit, « Omar a dit, si les gens de Sana'a, ils parlent de Yémen, les gens de Sana'a, même s'ils dépassent 10, ils se sont assis pour tuer une seule personne, je vais les gens, on va les tuer. Pourquoi? Parce que si on dit qu'ils sont beaucoup, on ne les tue pas. Maintenant, si quelqu'un veut tuer, c'est qu'il est seul. S'il a tué, on va le tuer. Il va aller inviter les autres, associez-moi. Comme ça, si on est beaucoup, on ne le tue pas. Omar a dit, même si c'est 10 personnes, 7 personnes qui associent, on a tué 7 personnes. Tous les 7, on les tue. C'est la seule chose qu'on t'arrache ça. Personne ne peut pas te donner. Ta maison, si on a cassé, s'il y a l'invité, Inch'Allah, tu vas construire. Si tu n'es pas pu construire, tes enfants vont venir construire. Mais si on t'arrache la vie, personne ne peut pas te donner ça. Si on t'arrache quoi? La vie. Et Islam est venu conserver quoi? La vie. On ne tue pas. Il n'y a pas musulman, il n'y a pas non-musulman. Personne n'est pas en train de tuer quelqu'un. La tuerie, c'est interdit. Regardez la loi. Allah donne la compréhension. Aujourd'hui, si c'est cette loi qu'on pratique, qui va envoyer les gens aller tuer tel? Il ne peut pas. Parce qu'il sait qu'on va les tuer. C'est ça qu'on appelle Al-Qisas. Et c'est ça parmi certaines choses qu'on appelle Sharia. Pour que tout le monde a son droit. Aujourd'hui, comme il n'y a pas ça. Toi, avec quelqu'un petit à faire, il casse les bouteilles. Combien de gens qu'on les a tués comme ça? Personne n'est pas demandé rien. Moi, devant moi, j'ai vu quelqu'un fusiller quelqu'un comme ça. Il est tombé là jusqu'à il est mort. Ça n'a abouti rien. Parce que quand il cherche là où, l'homme ne coûte rien, il faut venir l'Afrique. C'est l'Afrique que tout le monde fait les crimes. Chez les Blancs, ce n'est pas comme ça. Oh. Malgré qu'ils n'ont pas le Coran, ils ne sont pas des musulmans, mais un moment, ils jugent les choses vraies. Tuer quelqu'un comme ça, tu as menti. Ils vont te condamner, même s'ils ne font pas sharia. Mais on va te quand même attraper. Mais ça là, c'est insuffisant. On n'est qu'à pratiquer ce cas-là de pratiquer. Et vous allez voir que la tuerie, est-ce que ça va continuer? C'est à cause de ça, là où il y a sharia, avant qu'on va condamner quelqu'un, ça prend du temps. On fait les va-et-vient, négociation, jusqu'à, s'il n'y a pas moyen, c'est de là qu'on va les tuer. Est-ce que vous écoutez bien? Non. Et tuerie là aussi, on ne met pas les corps. Pour mettre les corps, ce n'est pas Islam qui a dit ça. Pendule, non. On coupe la tête. C'est ça qui est le violent. Pour que tu vois ça, toi-même, tu vas trembler. On coupe la tête, ça tombe. Comme ça, tu rentres, tu ne peux pas dormir. Là, demain, quand tu es avec quelqu'un, tu ne veux pas. C'est à cause de ça, Islam, tout chose qui va mener l'homme, tu vas tomber dans les tuyaux. Islam interdit. Tu n'as pas le droit de prendre couteau pour faire amuser quelqu'un que je vais te tuer. Non. Et tout ce qui peut tuer quelqu'un, on ne prend pas. Est-ce que les gens le suivent bien? C'est un peu la loi qui est dans cette verset car l'homme donne la compréhension. Non. وَلَكُمْ فِي الْكِسَاسِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بعد
رد له بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الذي كتب عليكم on vous a prescrit, on vous a recommandé. إذا حضر أحدكم الموت تسي أن دي فو et la mort est arrivée. إن ترك خير الوصية s'il a laissé l'argent et il a fait le wasiya les walidain wal aqrabin les deux parents papa et les proches bil ma'ruf sur le bon haqqan ala al muttaqin c'est obligatoire sur les musulmans avant la loi de waris al fara'id héritage n'est pas encore venu là si tu as l'argent et tu fais ce qu'on appelle le serment testament, tu fais ça, et qui va faire testament pour qui? Ton père et ta maman et les familles proches. Tu vas faire testament que si tu es mort, c'est eux qui vont prendre tes biens. Vous nous suivez bien? Non. C'est ça Allah dit, kutiba alaykum le kisas, kutiba alaykum, on vous a prescrit, iza khadra ahadakum le mawtu, si la mort arrive un de vous, et intaraka khayr al wasiya, et il a laissé le bien. Imam Ibn Abbas a dit, on n'appelle pas khayr al wasiya mal le kathir. Intaraka khayr al s'il a laissé le khayr, ce qu'on appelle khayr, c'est l'argent qu'on appelle ça. Est-ce que vous comprenez bien? C'est l'argent qu'on appelle khayr. Il n'a pas le khub le khayr, le shadidu. L'ima anzalta ilaya khayrun fakir, dans le surat al-Qasas, dans l'histoire du prophète Moussa. C'est à cause de ça, il a dit ici, intaraka khayr al, il a laissé bien. Khayr al, il a laissé bien. Al-wasiyatu al-walide, il a fait testament pour ses deux parents avec al-qarabin, les familles proches. Bilma'aruf sur la vérité, sur le bonheur, haqqan ala le muttaqin, c'est obligatoire, on doit gérer ça. Et Allah dit, faman badalahu, celui qui a changé ça, badama samiahu, après il a compris que c'est comme ça, il a fait le testament, fa innama ismuhu ala lezina yubadiluna. Le péché, c'est sur celui qui a changé, pas celui qui a fait. Lui, il a fait, il est déjà parti. Maintenant, si quelqu'un a changé ça pour détourner l'argent, le péché, c'est sur toi, c'est pas le défunt qui est mort. Car inna Allah lui Allah sami ou alim, il est sami, il écoute tout et alim, il est connaisseur de tout. Mais après Allah a mené la loi, on a effacé ça. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et dans le surat al-Nisa, il a dit, les zakar asr misr, misr ou seyed, fa in kunna nisa afoka israteini, fa la kunna sulusa mimma taraka wa in kana jusqu'à la fin. On appelle ça les al-fara'id, ce qui montrait héritage. Après Allah a changé. Maintenant Allah a changé, ici c'est cette verset aussi qui montre. Ce n'est pas bon musulman, tu vas dormir et tu n'as pas quelque chose que tu as fait testament pour déposer. Quel testament? Ce n'est pas testament que les autres font. Testament, il dit si je suis mort, tel mon enfant, il a tel de mon bien, tel ma femme, il a tel de mon bien. Cela n'est pas dit ça parce que nous, on a la loi de quoi? Héritage. Mais testament que tu as fait, tel me doit comme ça, je dois tel crédit, la maison là, on me doit comme ça, j'ai tel l'argent avec tel, tu écris ça pour déposer parce que la mort n'avertit pas. C'est ça que le prophète interdit. Musulman n'a pas le droit de dormir des nuits sans faire aucun testament pour déposer. J'ai pris l'argent, j'ai tel, tel, je dois tel comme ça, telle somme. On ne dit pas que c'est secret entre nous. Allah dit Iza tadayaytum bidayni ila ajalil musamman fakutubuhu. Si vous voulez prendre crédit entre vous, un délai reconnu, Allah dit écrivez. Si vous n'avez pas écrit, moi j'ai pris dette chez toi. 1 million ou 2 millions, 3 millions. Tu as dit c'est secret entre toi, imam. Je n'ai pas dit quelqu'un, toi tu n'es pas écrit, moi je n'ai pas écrit. Si la mort me prend, tu viens voir mes parents, tu dis, ah, imam Abdou Fattah me doit 2 millions. Quel est ton prêt? Tu as dit, même l'enfant qui veut mériter, il veut dire que non, tu veux prendre l'argent de papa. Là, il faut qu'on fasse quoi? Papy, avec les témoins et la date, avec la signature. Est-ce que vous nous suivez bien? Vous avez bien compris ça. C'est ça que le prophète a dit. Ce n'est pas autorisé quelqu'un de dormir là, dit ma hakir imri imislimin. Shayun yusi fihi yabitu laylatayn illa biwasiyati maktuba indahu. Le prophète a dit ce n'est pas bon. Si musulman, tu as quelque chose à faire le testament, écrit. Ce n'est pas bon. Tu vas dormir des jours sans faire le testament. Et le testament qu'on fait, c'est ça que je viens vous dire. Mais si c'est héritage, musulman ne partage pas héritage dans sa vie. Héritage, c'est Allah même qui a partagé ça dans les sourates de ça. Comment la femme doit trouver, comment une femme va trouver, comment ta femme va trouver, ainsi de suite. Est-ce que vous avez bien compris ça?
Maintenant, cette loi-là, on a effacé ça. On a effacé papa et maman à partir de maintenant et ils n'ont pas droit de quoi. On ne fait pas aussi pour papa et maman. Mais ça reste à Corbin, les familles proches. Tu peux faire aussi pour eux. Si je suis mort dans telle mon famille, on n'a qu'à lever telle somme, on lui donne. Ça, c'est accepté. Mais ton père et ta maman, et ils sont parmi les gens qui peuvent t'hériter. Ils sont parmi les héritiers. C'est à cause de ça, on ne fait pas au lit, voici, pour quelqu'un qui est quoi? Héritier. Vous avez bien compris? On ne fait pas aussi pour quelqu'un qui est héritier. C'est fini. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah a'ata kulli zi hakin haka, fala wasiyyata lil warisi. Il a dit, Allah a déjà donné tout droit à chaque droit. On ne peut plus faire testament à quelqu'un qui peut hériter quelqu'un qui est mort. Non. Ton père, ta maman, ils ont leur héritage. Pour toi, quand tu es mort, si tu as laissé l'argent, ils ont leur part. Un moment, ils ont un des six, un moment, ils ont un des trois. Comme ta femme, un moment, elle a un des six, un moment, elle a un des quatre. Ta femme, ça dépend si vous avez les enfants, si vous n'avez pas les enfants. Parce que l'héritage, un moment, ça domine, un moment, ça monte, un moment, ça grossit, un moment, ça maigrit. Ça dépend dans les formes que la famille sont. C'est ça qu'on appelle al-fara'id. Et dans l'islam, il n'y a pas la loi qui est difficile comme ça. Ça, là, avec le divorce, avec les zakat, c'est les choses qui sont difficiles dans l'islam. Vous comprenez bien? Et maintenant, quelqu'un qui a fait cette loi-ci, j'ai écrit, le moment que la loi des héritages n'est pas encore venue, quelqu'un qui a fait aussi pour son papa et sa maman et sa famille proche, on a fait les papiers déposés. Et toi qui s'est écrit, après lui, le mortier est venu changer les papiers. C'est ça, Allah dit, Faman badalahu ba'dama saniyahu. Parce qu'avant de faire l'héritage, tu appelles quelqu'un qui est témoin. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Toi, après, il a changé. Pour que le bien là, ça revienne encore à côté de lui, Allah dit, Fa'innama ismuha ala lazina yubadiluna. Le péché, c'est celui qui a changé. Inna Allah as-Samiu Alim, Allah il écoute et il voit tout. Qu'Allah nous pardonne. Non. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يديك فمن فمن خاف من موسن celui qui a eu peur avec celui qui fait Moussin, celui qui veut donner testament. Janafan, tu as peur de lui, Janafan, il va faire erreur. Ou Isman, ou ça, dans son héritage, dans son testament qu'il va faire là, il y a le péché. Fa'aslaha. Et toi qui vas écrire, après tu as arrangé. Beinahu, entre les héritiers, tu les as arrangés. Allah dit Fala Ismaili. Toi qui as arrangé, tu as changé là, tu n'as pas aucun péché. Parce que ici, tu as arrangé. Tu n'as pas détruit l'argent. L'autre qui a détruit, fa'innama ismu ala lazina yubadiluna. Mais lui qui a arrangé, fala isma alayhi. Vous comprenez la différence? C'est ici qu'on appelle le Coran. Celui qui a changé pour moufé, Allah dit fa'innama ismu ala lazina yubadiluna. Celui qui a arrangé, Allah dit fala isma alayhi. Allah propre dit inna Allah ghafuru rahim. Allah il est pardonneur et il est le très miséricordieux. Quelqu'un t'a appelé. Parce qu'il y avait un monsieur qui veut mourir. Et il avait beaucoup d'argent. Il s'appelle San Ibn Abi Waqqas. Il avait beaucoup de la somme. Et il a dit à Rasulallah, inna li ma'alan kathiran. Wala warisun illa ibnatin li fa'awsi bi sulisin mali fa qala Rasulallah. Qala fa bima shurtin. Qala la. Qala fa sulisin. Qala la. Le prophète a dit à sulisi wa sulisin kathir. Sada dit à Rasulallah, moi je suis quelqu'un qui est riche. Je n'ai pas quelqu'un qui va m'hériter. J'ai une seule fille que j'ai, ma fille. Est-ce que je peux prendre tout mon argent et je fais sadaka? Le prophète a dit non. Il dit, est-ce que je peux prendre moitié pour faire sadaka? Le prophète a dit non. Il dit, est-ce que je peux prendre tiers pour faire sadaka? Le prophète a dit tiers. Le prophète a dit tiers, c'est beaucoup. Souci, kathir. Ça veut dire ça, Imam Ibn Abbas a dit, tant que le prophète a dit sur ce kassir, si les gens devaient accepter son vision, lui voulait qu'on devait aller dans les roubouilles. On devait venir là-bas. Parce que le prophète a dit sur ce kassir. Si on dit sur, on partage l'argent en trois, on prend un. C'est beaucoup. Tu as vu 1 million, si on partage à trois, on prend un, ça fait 350 000. C'est beaucoup.
C'est Kafir. Là, on devait partager ça. Et même Ibn Abbas a dit, lui, comme le prophète a cité beaucoup, on devait partager ça combien? 4. Et on enlève quoi? 1. Ça veut dire ça, jusqu'à maintenant, tu peux faire aussi hein, pour tes frères, pour ton proche. Mais tu ne peux pas faire aussi hein, qui dépasse un tiers. Tu ne peux pas faire aussi hein, qui dit, si je suis moi, on n'est qu'à prendre moitié de mon argent, on donne tel. C'est trop. Tout aussi hein, que tu vas faire, c'est sur un tiers. Est-ce que vous avez compris? Parce que le prophète a dit à celui-ci, sur ce qu'il fait. Est-ce que les gens le suivent bien? Au sens que c'est. Maintenant, si quelqu'un fait ça, peut-être celui qui a dit on n'a qu'à faire testament, lui ne connaît pas la loi de Allah. Et lui t'a appelé, il dit c'est toi qui s'est écrit, viens tu me faire wasiya. Après ma mort, on n'a qu'à lever dans mon tel son, on donne tel. Et lui l'a dit, l'argent qu'on va donner, tu as vu, c'est contraire de la loi de quoi? Allah. Ça dépasse un tiers. Et toi, tu as arrangé ça, c'est devenu un tiers. C'est ça, Allah dit Faman hafa min musin. Jannafan. Celui qui a peur, celui qui va faire testament là, il va faire quoi? Il a fait erreur. Jannafan, il a fait hata. Ao Isman, ou ça, quelqu'un dit si je suis mort, on n'est qu'à prendre tel mon argent, on va construire snack bar, on va construire boîte. Et tu as changé, tu dis on n'est qu'à construire mosquée. Lui, il a fait Isman, toi tu as changé, toi tu as mené bien. Allah dit, c'est ça qu'il a dit, fa asraha beinom. Tu as arrangé pour que ça passe dans le bien. Allah dit Fala Isma Ali. Celui qui a changé comme ça là, lui n'a pas aucun péché. Car inna Allah ghafurun rahim. Est-ce que les gens nous ont bien écouté? Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas été à l'école. Même si tu as été à l'école, le moment que quelqu'un veut mourir à cause des douleurs, de la mort, de la souffrance, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas faire quelque chose. Il appelle quelqu'un et dit viens m'écrire. J'ai mon argent. Moi j'ai 10 millions. Dans mon 10 millions, je veux que si je suis mort, on n'est qu'à enlever 5 millions, on va donner tel mon ami. Toi, tu as dit c'est 5 millions, or que l'argent c'est 10 millions. Ça a dépassé, non? Tu dis non, 5 millions c'est beaucoup. Et toi, tu as acquis 2 millions 500. Fa'asalaha, beinahum. Tu n'es pas dépêché. Tu as diminué. Pour que l'argent qu'il va laisser pour héritage est beaucoup par rapport à ce qu'il va donner les autres. Est-ce que les gens me suivent bien? Parce que ce monsieur qui a parlé, qu'est-ce que le prophète il a dit? Le prophète a dit de laisser tes enfants, ils ont à quoi manger et ils ne vont pas mendianter. C'est plus meilleur de prendre tout l'argent, faire le sadaqa, tes enfants vont souffrir. C'est comme ça que le prophète a dit. Il dit comme ça, de mourir, laisser tes enfants, ils ont à quoi manger. Ils ne demandent pas à quelqu'un. Aujourd'hui, combien de gens qui sont morts, ils n'ont rien laissé, comment les enfants souffrent? Certains mêmes enfants, ils ont abandonné l'école. Parce qu'aujourd'hui, entre nous les musulmans, c'est la prière, mais il n'y a pas pitié entre nous. C'est quand on est vivant, mais quand tu vas mourir, personne ne s'occupe pas de tes familles. À plus forte raison, certains veulent s'accaparer de tes biens. Ce n'est pas leur droit. C'est eux qui ont dit Inna lezina, ya'akuluna, amwal al-yatama, zulma, innama ya'akuluna fi butunihim wa nara. Toute personne que son proche est mort, ton grand frère ou ton petit frère, toi grand frère, tu t'es accaparé de ses biens et tu as abandonné ses enfants, chassé sa femme sans héritage. Toi petit frère, l'argent que tu as gagné, maison que tu dors dedans, la voiture que tu roules là, Allah dit c'est l'enfer qui est dans ton ventre. Allah dit c'est pas fini, tu vas rentrer en enfer. Après Allah, mais vous savez comment Allah vous fait aouler à l'écoute, les zakar mis sur Azul Onsayin, fa'in kun nan nisa a fort kassir jusqu'à la fin. Il a mené l'héritage. C'est lui-même Allah qui a partagé l'héritage. Et dans l'héritage, on entend les blancs, les gens qui suivent les Yahoudis Nassara, on dit non, l'héritage qu'Allah dit là, c'est contraire, il faut qu'on va aller justice. On dit pourquoi c'est contraire? On dit Allah dit, si tu as une fille et tu as un garçon, exemple, tu as laissé 5 millions. Est-ce que vous comprenez bien? Tu as laissé 5 millions. Et la fille, où ça, tu as laissé 3 millions. Le garçon prend 2 millions. La fille, on va la donner 1 million. Pourquoi on n'est pas partagé équitable? Ça, c'est l'injustice. Allah va faire quelque chose, toi, tu vas dire c'est l'injustice. Tu connais quoi? C'est l'école française que tu as fait. Français, ce n'est pas Coran.
Tu peux prier avec Istéjo. Tu veux faire tes finis, tu commences à citer Istéjo. Tu peux prier avec ça. On peut prier avec Matt. On peut prier avec l'anglais. Hein? Pourquoi? C'est surtout la place là. Là où Allah dit on donne une fille 1 million, garçon 2 millions. On dit ça, c'est l'injustice. Parce qu'on dit l'homme et la femme sont égales. Allah n'a pas dit l'homme dépasse la femme. Il n'a pas dit la femme dépasse l'homme, sauf certains lieux. Certains lieux, Allah dit ici, l'homme, il dépasse la femme. Certains lieux aussi, Allah dit, ils sont égales. Si la femme a prié, la prière dans ce, l'homme a prié, la prière dans ce, tous les hommes ont même valeur. Est-ce que vous comprenez bien? Ils ont même valeur. Dans l'adoration, nous sommes égales. Est-ce que les gens nous suivent bien? Mais ici, pourquoi Allah dit ici, c'est héritage? On va donner une fille, la femme, 1 million. Garçon, combien? 2 millions. Pourquoi? Et les savants, ils ont expliqué. Ils ont dit, parce que dans notre islam, Allah parlait ça. Pourquoi Allah dit ça? Dans notre islam, nous, quand on veut marier la femme, c'est l'homme qui dote la femme, bien c'est la femme qui dote l'homme. C'est l'homme qui dote la femme. Masha'Allah. Maintenant, la femme, on l'a donné héritage 1 million. Son frère, garçon, on a donné 2 millions. Tu as vu son frère, lui va aller chercher la femme pour marier, ou bien c'est pas ça. On va lui demander la dot, peut-être c'est 1 million, peut-être c'est 1 million 500. Prenons comme 1 million. On l'a donné, demandé la dot 1 million. Il a levé 1 million, il a donné. Son argent, il s'en reste combien? 1 million. Maintenant, il est égal avec sa petite soeur, hein? C'est pas fini. Maintenant, un homme veut marier sa petite soeur. Sa petite soeur, ça a demandé dot 2 millions, ou ça a été 1 million. On a donné sa soeur a trouvé combien? Maintenant, qui a l'argent entre les deux? Si Allah fait quelque chose, nous sommes des serviteurs. On a qu'à dire Samina. Est-ce que les gens nous suivent bien? C'est ça, il a dit Inna Allah Gafurun Rahim. Non. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الذي يا أيها الذين آمنوا أو vous qui ont cru Allah كتب عليكم الصيام on vous a prescrit le jeûne comme a kutiba ala alladhina min qablikum, quand on a prescrit ceux qui étaient avant vous. Allah dit la'allakum tattaqun, afin que vous avez gagné la crainte d'Allah. Le but des jeunes que nous sommes dedans, c'est de gagner la crainte. Ici Allah dit on nous a prescrit comme ceux qui étaient là. Est-ce que ceux qui étaient là, c'est même carré que faisait avec nous? C'est même carré, c'est nombre des jours, c'est même distance? On ne connaît pas. Mais Allah dit les a prescrit les jeunes. Est-ce que vous comprenez bien? Allah dit, ils ont leur manière de gêner. Nous aussi, on a notre manière de gêner. Nous, ça commence bintolo, il faut dire, il a gouroubi, shamsi. Depuis l'eau jusqu'à le coucher du soleil. On ne mange pas, on ne boit pas. Et on ne fait pas rapport sexuel dans la journée. Mais après d'avoir coupé, tu peux manger, tu peux faire rapport sexuel avec ta femme. Vous comprenez bien? Allah dit, on a amené le jeûne là, Allah comme tattaqun, afin que vous gagniez la crainte d'Allah. C'est à cause de ça, tout le but du jeûne, c'est de gagner quoi? La crainte. Allah dit, ayyam al-ma'douda. C'est des jours reconnus. Faman kana minkum maridun, celui qui est maridun, celui qui est malade, ou à la safarin, ou il est voyageur, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Un voyageur est malade, il n'a qu'à laisser le jeûne. Après Ramadan, il va payer les autres jours. وعلى الذين يطيقون فدية الطعام اصل là aussi qu'ils ne peuvent pas faire le carême et ne qu'à donner nourriture miskin pauvre manger فمن تطوع nourriture la suite a augmenté فهو خير له c'est bonheur pour toi وعن تصوموا mais si vous pouvez jeûner
خير لكم سلا بريمير pour vous ان كنتم تعلمون si vous connaissez bonheur qui est allégé. Ici cette verset ça nous montre que l'islam, la manière que l'islam a commencé toutes choses un peu même les jeunes c'est comme ça. Avant, je vous ai dit, l'islam est béni, on n'est pas amené tout la foi en même temps. On n'est pas interdit à l'école une bonne fois. On n'est pas amené l'islam une bonne fois. L'islam est béni, 10 ans, il n'y avait pas la prière. Et la prière a commencé, il n'y avait pas Zakat. Zakat a commencé, il n'y avait pas les jeûnes. Ça vient étape par étape. Ça vient étape par étape. Là, l'école, on n'est pas interdit ça une bonne fois. On a commencé à montrer les gens. Les mauvaises choses qui sont dedans. Tu peux boire, mais ne viens pas à la mosquée quand tu es sourd. Après, Dieu a dit, le péché qui est dedans est plus grand que le bénéfice qui est quoi? Dedans. Après, elle a dit quoi? Maintenant, c'est interdit, il ne faut plus boire. On a interdit ça étape par étape. Le jeûne aussi, on n'a pas dit en même temps les gens de jeûner 30 jours ou 29 jours, non. Hadith est venu, on dit le jeûne est commencé par. Avant, le prophète dit jeûner 3 jours seulement chaque mois. C'est commencé par étape par étape. Et ça arrivait à un moment aussi, c'est pas quand le jeûne, le mois de Ramadan arrivait, celui qui veut, il jeûne. Celui qui ne veut pas, il nourrit. Avant le prophète, il jeûnait 3 jours. Le jeûne a commencé par Ashura. Il n'y avait pas le jeûne. C'est Ashura seulement. Après le prophète, il jeûnait chaque mois 3 jours. Et après la loi est venue, il a dit, Ayyaman ma'adoudati. C'est le moment reconnu. Mais celui qui a voyagé, celui qui est malade, il n'est qu'à laisser. Et il a dit, et celui qui veut, il n'est qu'à gêner. Celui qui veut, il nourrit. Avant, c'était comme ça. Si Ramadan arrive comme ça, si tu veux, tu gênes. Si moi, je ne veux pas, je ne gêne pas, je nourris chaque jour pauvre. C'est fini, moi, si j'ai gêné. Et après, Allah a mené la loi. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, le jeûne est devenu obligatoire. Mais le choix est toujours là. Pour qui? Il a dit ici, Faman kana maridan. Celui qui est malade, il va laisser. Safar, il est voyagé, il va laisser, mais après il va payer. Maintenant la loi il a dit wa ala allazina yutikunahu. Il y a l'autre lecture on dit wa ala allazina yutawakkunahu. Tout ce qui est al-mutawatir. À ceux-là qui gênent, mais le jeûne est difficile sur eux, difficilement. Comme un vieux, comme une vieille maman, il ne gêne pas, il nourrit chaque jour. Vous comprenez bien? Et c'est comme ça qu'une femme qui est la grossesse, elle jeûne difficile, docteur a dit, si elle jeûne, ça peut amener problème. Elle nourrit. C'est comme ça celle qui allait. Al-Hamil wal-Mordi. Wal-Sheikh ul-Kabir. Wal-Sheikh ul-Kabira. Elle non, un vieux et une vieille maman. Avec une femme qui est en grossesse difficile. Je dis bien en grossesse difficile. Il y a certains qui sont en grossesse, ils peuvent gêner, ils n'ont pas aucun problème. On parle ce que le docteur a dit, si ils gênent, c'est un difficile problème pour eux. Et certains aussi qui allaitent les enfants, c'est un problème pour eux. Tous, ils vont nourrir. C'est ça, Allah dit, wa ala lazina yutikunahu. Ceux-là qui ne peuvent pas gêner, c'est difficile sur eux. Fidyatu at-ta'am. Ils n'ont qu'à donner salaka de nourriture. Miskiri, ils donnent ça à un pauvre chaque jour. Mais pour donner, là, on a dit chaque jour, c'est 1,5 kg. Mais 1,5 kg, toi tu es moyen, tu dis non, 1,5 kg c'est quoi? Chaque jour, moi je vais te donner 3 kilos. Allah dit Faman Tatawa. Celui qui a fait Tatawa, il a augmenté. Fahoua Khayou, là où c'est bon pour toi. Mais Allah dit, mais wa antasumu, mais si vous gênez de laisser l'outil là, Khayou là pour cela, plus meilleur pour vous. In kuntum ta'lamuna. Si vous connaissez le bonheur qui est dans le jeu. Est-ce que les gens comprennent bien? C'est comme ça, étape. L'islam n'est pas venu comme ça. Avant, le prophète, il gênait 3 jours chaque mois. Il a dit, Ibda Islam bisiyam kulli shahr salasatu ayyam. L'islam a commencé par, après, Soumanas Hazal Kalbi Soum Ramadan. Après, on a effacé ça avec le jeûne de Ramadan. Et le jeûne de Ramadan aussi est venu. On n'a pas dit, tout le monde n'a qu'à gêner une bonne fois. Non. On n'a pas dit, tout le monde n'a qu'à gêner une bonne fois. C'est venu avec le choix. Faman sha'a falyasum. Celui qui veut, il va faire le carême. Kanu, et celui qui veut aussi, yut'im. Il donne nourriture et les gens vont manger. Et après on a dit non, maintenant tout le monde n'est qu'à gêner. Avec les versets qu'il va lire maintenant. Il a dit quoi? Shahr Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida
منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى ينادي شهر رمضان voilà le mois de jeûne allez-y celle que on zira fih le Coran, c'est là qu'on a révélé le Coran. On a révélé le Coran. Huda, c'est une guide, les nas pour l'humanité. Wa bayyinatun min al-huda. Et le Coran vient vous éclaircir la voie de la guidance. Wa al-furqan, on a appelé le Coran furqan, allazi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil, wa bayna al-huda wad-dalal, wa bayna az-zulmati wan-nur. Coran, on a appelé ça distinction. Coran vient distinguer entre la vérité et mensonge, la guidance, le garément, la lumière et les ténèbres. À quoi ils sont appelés le Coran Furqan. C'est le Coran, c'est le Furqan, c'est le même livre. Allah dit Faman shahida minkum shahara. Celui que Ramadan est venu lui trouver, c'est ça qui est shahida. Ce n'est pas tu as vu la lune. Il y a des gens qui disent c'est le voile, c'est pas la lune qu'on a dit tu vis. Est-ce que c'est tout le monde qui va voir la lune? Shahida huna Faman hadara Ramadan wa huwa muqimu. Ramadan est arrivé, tu es résident, tu n'es pas voyagé. C'est ça, on dit Faman shahida minkum shahara. Ce n'est pas Faman shahida minkum shahara. Tu as vu la lune. Est-ce que tout le monde peut voir la lune? Gabon, ici, combien d'années on a vu la lune ici? Si on dit tout le monde va voir la lune pour faire les carrés, là, il y a un problème. Si Ramadan arrive, tu es présent. C'est ça, on dit Faman shahida minkum shahara. Celui que Ramadan est arrivé, tu es présent, tu es résident, tu n'es pas un voyageur. Là, il faut gêner. Vous comprenez bien. Ramadan arrive, tu es en bonne santé. Tu n'es pas voyageur. Il faut gêner. Mais Allah dit Waman kana marido, celui qui est voyageur, ou à la safari, il est marido, il est malade. Ou à la safari, il est voyageur. Allah dit Faïda tumin ayamin ouhar. Il n'a qu'à laisser le carême, après il va payer. Allah, pourquoi? Il a dit Yuridullah bikum al-yusra. Allah, il veut de vous la facilité. Wala yuridu bikum al-usra. Allah il ne veut pas de vous la difficulté. Le nombre de jours que vous avez laissé, autant de voyages, nombre de jours que vous avez été, autant de maladies, complétez ça après Ramadan. Et quand on dit on a vu la lune, c'est demain qu'elle a fait commencer. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, waltukabbirullah, gurar Allah, longez son nom parce qu'il vous a guidé, vous êtes des musulmans. Voilà, Allah comme tashkurun. Et c'est comme ça que ça va vous pousser d'être les gens qui remercient Allah. Ici, vous voyez, on a dit celui que Ramadan, Shahar Ramadan, c'est dans ce mois Ramadan, on s'est la fille du Coran, c'est dedans qu'on a révélé le Coran. Et le Coran est révélé dans la nuit de l'Ilat al-Qadr. C'est ça dans le surat al-Duha. Allah dit Inna anzallahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kull amrin aqim amran min indina inna kunna mursilin. C'est dans le surat al-Duha. Allah dit c'est dans la nuit des bénis. C'est ça qu'on appelle laylat al-Qadr. C'est une nuit bénie. Et ceux qui vont veiller de faire l'adoration dedans, quand tu gagnes cette nuit, on te donne récompense comme tu as adoré Allah 1000 mois. Ça fait 84 et 3 mois. Est-ce qu'on va arriver comme ça avant de mourir? Vous comprenez bien? C'est dans ces nuits qu'on a fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait descendre le Coran tout entier dans le premier ciel. Tout Coran entier. Et maintenant, on a gardé ça dans le premier ciel. Et on fait descendre ça, les versets, avec des situations, des versets, avec des choses. On descend le Coran comme ça, avec des choses comme ça, jusqu'à 23 ans, le Coran est descendu fini. Le premier verset qui est descendu, c'est sur notre écran. Le dernier verset qui est descendu, le prophète n'est pas arrivé 16 mois qu'il est mort. C'est « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-dina ». Après ça, le prophète, il a fait 3 mois quelque chose et Dieu a pris son nom, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans la nuit du Coran, les lettres qu'on a amenées. C'est ça, Allah dit, dans le Ramadan, on se la fige le Coran. Et le Coran, le but du Coran, c'est quoi? Il dit, c'est une houdan l'innance.
c'est le Coran qui guide les gens. S'il n'y a pas le Coran, tout ça est foutu. C'est une guide pour les gens. Et encore, c'est le Coran qui va nous éclaircir la voie de la guidance. Quand vous faites telle chose, c'est bon. Vous faites telle chose, c'est interdit. Si vous faites telle chose, c'est halal. Telle chose, c'est haram. Bayinat min al-huda. Ou al-furqan, c'est le Coran qui vient vous distinguer dans l'affaire qui a des conflits. Et Allah dit Faman shahid amin kum shahara. Celui que Ramadan est arrivé, il est présent. Il n'est pas voyageur. Il n'est pas malin. Fali yasumu, il n'est qu'à gêner. Oui, Allah dit il n'est qu'à gêner. Celui que Ramadan est arrivé, il est en bonne santé, il n'est qu'à gêner. Malade au mankan à marida. Celui qui est marié, il est malade. On parle de quelle maladie? Le maladie que tu ne peux pas gérer. Ce n'est pas petite maladie. Celui qui est malade, il sait qu'il ne peut pas gérer, il n'est qu'à laisser. Ou Allah, safari. Ou soit il est voyageur. Et ici, voyageur, maladie, on commence par maladie. Maladie, on a deux cas. On a les maladies, on appelle maladies inguérissables. Il y a les gens qui ont des maladies comme ça. C'est une maladie qui est avec lui, il prend des comprimés chaque moment comme ça. S'il ne peut pas gérer, il n'est qu'à laisser et il nourrit chaque jour. Est-ce que vous avez compris ça? Quelqu'un qui a la maladie inguérissable et ça ne lui permet pas de gérer, il nourrit chaque jour pauvre. Il peut donner nourriture à une banque, un seul jour, c'est fini. Il peut donner ça aussi jusqu'à 29 ou 30 jours. Vous avez bien compris ça? Car l'on donne la compréhension. Mais, maladie de palu, de deux jours, ça là, on ne nourrit pas. Ça là, tu laisses le ramadan, après, tu payes. Maux de tête, quelque chose comme ça, tu coupes ton carême, tu as mis un médicament, la santé est venue, tu continues le carême, après le ramadan, les jours que tu as eu bilo là, machallah, tu vas payer. Mais celui qui a coupé gène, il a coupé son gène exprès, pas aucun motif. Abba Ourera dit, j'ai compris que le prophète a dit, même si tu as gêné un an, ça ne peut pas remplacer la place. On ne rompt pas le carême comme ça. Maintenant, voyage. Voyage, on a donné le choix. Voyage, si tu veux, tu vas gêner. Si tu veux, tu coupes le carême. Est-ce que vous comprenez? C'est encore ça, si quelqu'un dit, moi, mon voyage, là, moi, je vais gêner. Il n'y a pas aucun problème. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui va quitter ici le Togo. C'est 1h45 minutes ou quelque chose comme ça. Avec l'avion, tu es en haut de toi, il y a des crimes. Le problème, c'est quoi? Tu es dans ton costume, il y a quel problème? Tu arrives à l'aéroport, taxi te prend jusqu'à la maison. Quelle souffrance qu'il y a dedans? Mais avant, les papas, ils voyageaient avec des. Est-ce que les gens nous suivent bien? Mais celui qui prend l'avion, il a dit tant qu'on a dit un voyage, c'est voyage, je veux couper, on ne peut pas les blâmer aussi. Mais moi, je vois que dedans, il n'y a pas trop fatigue. Si quelqu'un dit, va gêner. Parce que les sahaba des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nous, on a voyagé. Nous, on a voyagé. Parmi nous, il y a ceux qui ont gêné. Parmi nous, il y a ceux qui n'ont pas gêné. Et on n'est pas blâmé quelqu'un. On n'est pas blâmé quelqu'un. Ça connaît ça, c'est à toi de regarder. Si c'est coupé là, que facile pour toi, tu coupes. Mais quelqu'un aussi, tu peux avoir certains voyages, tu crois que c'est pas facile. Tu as gêné. Non, je vais gêner, ça ne fait rien. Mais au cours des voyages, tu as regardé, et il y a un problème. Si tu vois, c'est difficile, il faut boire l'eau. Manger bien. Après, madame, tu perds. Tu n'as pas aucun péché. Le prophète a voyagé avec les Sahaba. Ils étaient épuisés. Et tout le monde a peur de dire qu'on est fatigué parce que le prophète est fait devant. Le prophète aussi a su que ses anciens sont épuisés. Ils ont arrivé à quelque part, le prophète d'Assyrie, allez m'amener l'eau. On a amené l'eau, le prophète a pris l'eau, il a coupé son carat, tous les sahabas, ils ont bu l'eau, ils se sont reposés. Rasulullah. Vous comprenez bien? C'est à cause de ça? Dans le voyage, si tu as vu. Et ne chaque siyam, il a fait. Si tu as vu que voyage c'est difficile pour toi, tu peux couper. Les Sahaba, ils ont voyagé. Certains, ils ont le carême. Certains, ils n'ont pas coupé. Le prophète, il n'y a pas l'autre qui a blâmé l'autre. C'est à cause de ça, il a dit si tu es dans le voyage, tu peux couper. Si tu ne veux pas aussi, tu peux continuer ton carême.
Bon, maintenant, on a dit quelqu'un, s'il est voyageur, il peut couper les carrés. Là, tu vas manger en cachette. Ou bien, quel moment tu vas faire comment? Oui, c'est quand tu vas voyager. Le matin, tu dis, maintenant, il faut me faire le foufou. Tu fais le foufou, tu vois, cette marche à la distance, tu manges. Tu bois ton café et tu sors, tu prends la route. Il y a certains fous qui ont dit non, on ne doit pas manger. C'est quand tu vois la voiture est décollée ou sort de l'avion. Si tu as mangé et le voyage n'est pas eu lieu, là, tu as fait comment? On dit, on s'en fout avec ça. L'avion n'est pas décollé ou c'est décollé ou il n'a pas la main ou dans les figures, c'est comme ça, ils ont amené ça. Pour connaître des trucs comme ça, il faut regarder que tu as quand tu regardes figure sunna, quand tu vas regarder al-bidayatu wa nihayatu bil mujtahidin, tu regardes ça, tu vas voir. Avec le couple des questions qui parlent des figures, comme figures de Imam Saadi, les grands figures qui sont les meilleurs des figures, quand tu regardes, tu vas voir comment on a amené les paroles ici, avec Kitab al-Mughni, tu vas regarder dans les mots tamariki, des livres comme ça qui parlent de fiqh, tu vas voir tout. Comment ils ont changé les propos dedans. C'est à cause de ça, quelqu'un, si tu sais que le voyage là, tu peux faire le carême, tu vas gérer, tu n'as pas aucun péché. Si tu vas couper aussi, tu peux couper, tu n'as pas aucun péché. Vous avez bien compris? Alors pourquoi tu as dit un voyageur doit couper? Pourquoi? Il a dit yuridullahu bikumul yusra. Allah, il veut de vous. Ou bien j'ai sauté. Faïda tumin ayamin. Oh, après tu vas payer, j'ai déjà parlé ça. Tu payes, après Ramadan, tu payes. Celui qui a laissé peut-être un mot de tête, un mot de ventre, après il paye. Celui qui a laissé 3 jours de voyage, à cause de voyage, il paye. Et après Allah dit, Yuridullah bikumul yusra. Si Allah dit, autant voyage, couper le carême, autant maladie, couper le carême, et on veut de vous la facilité. Le prophète Mohammed, au cours d'un voyage, il a vu quelqu'un, il est évanoui. On l'a mis, on le verse l'eau, on le siffle comme ça. Le prophète Ali a quoi? Il dit, il est dans les jeunes. C'est le carême qu'il a dépassé dans les voyages. Le prophète Ali, l'Isabir le Siyam fi Safar. Le prophète Ali, ce n'est pas la piété de jeûner dans les voyages. Il n'est qu'à couper. Qui t'a mis ça? Faut couper. Faut couper, il faut boire l'eau. À la facilité. Non? Allah dit, je veux de vous la facilité. Je veux voir de vous la difficulté. Islam, il n'y a pas de difficulté dedans. N'importe où vous voyez qu'on fait Islam du dur, ce n'est pas la loi d'Allah. Non. Il n'y a pas de difficulté dedans. Allah facilite. Allah dit, voilà, tout mille idda. Vous voyez, tout mille idda. Tu as laissé le jeûne 3 jours à cause de voyage. Tu as laissé le jeûne 3 jours à cause de maladie. Tu as vu les jours, ils ont gêné 29 jours, 30 jours, leur mois est complet. Mais pour toi, il est toujours quoi? Manquant. Là, il faut compléter. Et, wa tukabbirullah ala ma hadakum. Et, gloire, louanger le nom de Allah, parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et il vous a facilité, vous êtes des musulmans. Ça, c'est le jour de la fête, al-Id al-Fitr. Ça, là, on fait ça le matin jusqu'à après la prière, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi rahim. On commence ça, dès qu'on a vu la lune, demain c'est la fête, on fait ça la nuit jusqu'au matin. Quand on part faire la prière, on vient, c'est fini, ça s'arrête. Mais le grand prière, ça là, on va faire ça jusqu'à 3 jours encore après la fête. Est-ce que les gens ont compris ça? C'est comme ça se passe. C'est ça, il a dit, wa latukabbirullah ala ma adakum. Allah dit voilà Allahum tashkurun. C'est avec ça que comme ça que vous pouvez remercier Allah et ils accomplissent tout même amarakum Allahu min al-ta'a bi ada'i fara'id wa tarkum muharrama wa hifd al-hudud fa alaykum an takunu min al-shakirin. Il a dit si vous faites ce que Allah vous a recommandé de adoration et vous faites ce que Dieu a dit c'est obligatoire sur vous, vous laissez les interdictions et vous protégez les lois de Allah, c'est ça qui va vous faire, vous serez parmi les gens qui sont les chakri, les gens qui le remercient Allah. L'homme est déjà en amour. Non. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i iza dan fal yastajibu
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الذي وإذا سألك عبادي أني سير من سيرفيتير فين تي دوماندي سور موا الله يفودي فإني قريب موا الله جي سي تو بري أجيب دعوة الداء جو روبون لابيل دي كيلكان كي مابيلي إذا دعاني سي مابيل فلي يستجيب لي. Les gens n'ont qu'à me répondre, moi si Allah je les ai appelés. Ils n'ont qu'à me croire. La Allahum, Yashidun, et comme ça, ils seront les gens heureux. Et si c'est les gens qui ont venu demander le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus demander le prophète, Akoribu Rabbuna Fanunadihi, Ambaidu Rabbuna Fanunadihi. Ils ont dit, est-ce que Allah, il est proche? S'il est proche, on a fait un Najwa. Un Najwa de Bali, c'est l'ancien. Mais si Allah il est loin, on va crier, il va nous attendre. C'est de là qu'Allah a mené cette verset. C'est les gens qui ont venu demander le prophète. Dis-nous Allah, et s'il est proche, on va parler doucement. Mais s'il est loin, on va se lever la voix pour lui demander. C'est de là qu'Allah dit, Isa sa'alaka ibadi anni. Si les gens viennent demander sur mon cause que je suis loin, je suis proche, il faut dire fa'inni qarib. Moi Allah, je suis proche. Si on dit Allah il est proche, ce n'est pas qu'Allah il est parmi nous aussi. Allah il est au-dessus de cette cieux, mais sa connaissance nous a entourés. Il connaît notre sortie, il connaît notre entrée, il connaît notre passé, il connaît notre futur. Nous pensons quoi? Nous serons quoi? On va faire quoi? On va devenir quoi? Allah il connaît. Vous comprenez bien? C'est ça qui est fa'inni qarib. Ce n'est pas comme les gens disent Allah il est avec moi. Toi tu es qui? Il est à moi. C'est pas ça. C'est la connaissance d'Allah, son soutien, son aide, son protège, il est avec toi. Est-ce que vous comprenez bien? Fa inni qarib. Et Allah dit Ujibu da'awata da'i iza da'ani. Il a dit je réponds l'appel de celui qui m'appelle. Ou je réponds l'appel de celui qui m'a invoqué. Il a le problème. Il a su que moi, Allah, je suis là présent. Et il se lève, il m'invoque. Allah dit je vais lui ujibu, je vais lui répondre. C'est à cause de ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans un hadith, il a dit, Inna Allah ta'ala yastahi an yabsutu abdan ilayhi yadayhi yas'aluhu fima khayran fayuradduhu ma khaitaini. Il dit, Allah, il est honte. La honte de Allah dépasse jusqu'on va dire un serviteur. Il a le problème. Et il connaît que son créateur, c'est Allah. Son maître, c'est Allah. C'est Allah seul. Il n'a pas quelqu'un. Il va soulever les démons. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Et Allah va lui laisser descendre la main sans mettre quelque chose. Allah dit, je dépasse comme ça. Moi, je dépasse ça. Se lever dès maintenant, tu me demandes. Et je ne te donne rien. Allah dit, non. Moi, Allah, ma honte dépasse là-bas. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça, il a dit, Uji Wuda Awata Da'i. Je reprends l'appel de celui qui va lui appeler. Chef, on n'a qu'à demander beaucoup à Allah. Mais Allah dit, avant ça, il fallait estagir Mouli. Allah dit, moi, si je vous ai appelé, répondez. Aïe Allah. Aïe Allah, viens. Fadi Estadji Bouli. Moi, si je vous ai appelé, il faut répondre. Tu ne veux pas que moi je te réponde, toi tu ne me réponds pas. C'est 50-50. Fadi Estadji Bouli. Encore. Wali Yuminu Bi. Allah dit croyez-moi Allah. On ne veut pas que quelqu'un t'y fait doua, mais tu ne crois pas. Tu dis on va essayer voir. On n'essaie pas là. Itoullah wa antum mukinina bin. Invoquez Allah et vous êtes sûr que Allah va vous accepter. Vous comprenez bien? Il a dit Allahum yarshudun. C'est comme ça que vous serez les gens guidés. C'est à cause de ça, avant que je vous ai parlé ici, que si quelqu'un il fait doua, doua est dans trois conditions. Il a dit Mame muslim yadu Allah azza wa jalla bida'watin laysa fiha ism wa la qati'ati rahim. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة الخصال إما أن يعجل له دعوة وإما أن يدخرها في الآخرة وإما أن يصرف عنه من سوء مثله قالوا سيدلاك الصحابة يزوني إذا نكسر قال الله أكسر البروفيت محمد إلى الإمام المسلم يبقى مسلم يدعو الله عز وجل إذا دماندي الله لتو بيسان بدعوة certain invocation كشير au côté de lui. Dans cette invocation, les afiha ismun, il n'y a pas péché dedans. Wala kati atu rahmin, il n'y a pas coupé les relations de famille. Et là, celui qui a demandé à atahu Allah, Allah va accepter son souhait. Biha, dans ce demande, il dit dans sa lasa, tu sors dans trois conditions. Premier, imma an yu'ajjil lahu da'wa.
Peut-être Allah va te demander ce que tu veux en même temps, vite, vite. L'argent, il te donne. La femme, il te donne. C'est l'enfant que tu veux, il te donne. La santé, il te donne. Il te donne ça un moment. Peut-être aussi, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Peut-être il ne donne pas ici de dunia, il va te réserver ça yom al-qiyama. Ou soit, wa imma an yasrifa anhu min su'i misri. Peut-être Allah, il ne te donne pas ici. Il ne va pas te réserver yom al-qiyama. Allah vit qu'il y a un gros problème qui veut tomber sur toi. Il prend toi, il va barrer ça. Bah, entre tous les trois, c'est quelqu'un qui Allah te donne ici. Ou soit il va te réserver yom al-qiyama. Ou soit il prend ça pour te protéger certains problèmes. On verra bien. On veut les trois. On ne veut pas. Il ne faut pas choisir. On veut tous les trois. Allah donne-nous tous les trois. Combien ça va ça? C'est fini? Oui? Il ne faut pas choisir Allah dit. Allah, c'est tous les trois qu'on veut. Allah, il prend ça pour te protéger. Problème. Il peut te réserver ça encore. Il y a un ça ne fait rien pour lui. Parce qu'il est gani. Zurahma. Wasi arrahmatuhu kulashi. Est-ce que vous avez compris ça? C'est de là quand le prophète a parlé de l'Aziz. Quand les sahabes ont dit, Izan, là si c'est comme ça, nous là on va faire beaucoup de doigts. Ah, si c'est doigts comme ça, nous on va faire beaucoup de doigts. C'est de là que le prophète a dit, Allah Aksa, Allah aussi va vous donner beaucoup. Si vous faites beaucoup de doigts, Allah aussi va vous donner beaucoup. Doigts là, ça dépend de la manière que tu fais. Parce qu'Allah dit, quand tu soulèves la main comme ça, lui là on te donne pas, il n'aimait rien. Bon, celui qui se lève la main cinq fois, toi tu dis tu ne se lève pas, est-ce que vous êtes pareil? Non. Celui qui demande à Allah, celui qui ne demande pas, est-ce que vous êtes pareil? Imam Bukhari a dit quoi? Il dit Al-Mu'min, Al-Lazi yaskur Rabba, Wal-Lazi la yaskur Rabba, Kamasal al-Hayyi wal-Mayyiti. Il dit un musulman qui a le temps de faire askar, Subhanallah, Walhamdulillah, Walla ilaha illallah, Allahu Akbar, 100 fois, Astaghfirullah, Lazi la ilaha illahua, 100 fois, Asubhanallah, Wabihamdihi, 100 fois, ou soit 1000 fois, ou soit 500, ou soit 200. Lui, il a le temps de faire ça. Toi, ta bouche là, telle affaire comme ça, telle affaire comme ça, calomniez tel, insultez tel. Vous êtes pareil? Il n'est pas pareil. Et le prophète a dit votre distinction, il dit c'est comme cadavre et vivant. Celui qui fait zikri, il est vivant. Toi qui s'occupes de l'affaire de Dieu, tu es cadavre. Pourquoi? Pourquoi le prophète a dit cadavre? Parce que tu es cadavre. Tu n'es pas quelque chose qui te protège. Tous tes ennemis peuvent t'envahir. Tu ne fais pas zikri. Tu ne demandes pas aucun protège. Tout ça peut t'arriver. Mais lui-là, il est vivant. Dieu avec lui. La puissance d'Allah avec lui. Ça l'a entouré. Tu peux l'envoûter, oh, rien n'arrive pas. Tu peux chercher tout ça, ne peut pas. Parce que Wallahu yasimuka minan nasi. Est-ce que les gens comprennent ça? L'homme qui ne fait pas askar, il ne fait pas duo. Tu es cadavre. Kulma ya aba ubi kurabi. Là où la doua hukum. Alors je ne peux pas vous considérer. Si ce n'est pas à cause de votre doua, vous n'êtes rien devant moi. Ça coûte ça, les sahabes, ils ont dit, ah, si c'est comme ça, nous sûr, on va faire beaucoup de doua. Le prophète a dit, Allahu Aksar. Allah il est beaucoup, il va vous donner beaucoup. Faisez beaucoup de doua, surtout les temps que nous sommes chez frères. Laissez les bavardages. Dans le soudjoulou, faisait beaucoup de doigts. Je le répète, faut pas mener ton arabe cassé. Tu veux demander paradis, tu demandes l'enfer. Il faut parler la langue que tu maîtrises. Demande ce que tu veux. Le moment que ton front est à terre, le moment que tu es dans la terre, donné à terre. Attaque, il y a tout fini. Tu amènes cela, tu es vraiment fini. Allahumma inni a'uzubika min azab al-qabr wa min azab al-jahannam. Tout ça, c'est le doigt. Après, il faut faire doigt. Allah, je veux l'argent. Allah, je veux l'enfant. Allah, je veux comme ça. Allah, comme ça. Allah, comme ça. Après, tu fais salam alaikum. C'est là que les doigts acceptent. C'est à cause de ça, beaucoup les gens disent, nous, les gens de Sunnah, ne fait pas doigt. Parce qu'ils voient que dès qu'on a fini de prier, nous, on n'a pas le temps pour. Nous, on a fait ça dans les sujets, on a fait ça dans la théa. Est-ce que vous comprenez? Si toi aussi tu ne fais pas dans les sujou, tu ne fais pas dans la terre, après ta prière, tu lèves la main, tu demandes à Allah. Parce que Allah, il a beaucoup, chaque fois, on n'est qu'à piser. Il y a beaucoup. Tu veux quoi? L'argent? Fabtagu indallah rizq. Tu veux quoi? La santé? Allahumma rabban nasa azibul basa. Ishfi anta shafi. Shifa, c'est dans la main de qui? Allah. C'est le pouvoir? Allahumma malikul muluku. Tout est muluka man? Tasha. Tu veux quoi? L'argent, Rabbi Habli Mina Swalihi. L'enfant, Rabbi Habli Mina Swalihi. Rabbi Habli Zuriyatan Toyiba. Tout ce qu'Allah dit, Indana Haza Inukul Lashayin. Tout, c'est dans la main d'Allah.
tout. Mais ça dépend du moment que tu vas te lever. Voilà le temps que le prophète a dit de faire droit. Le moment que le médecin il finit la zane, tu fais Allah Rabba Hazi, il attend tout fini. Il faut demander à Allah. Ce moment doit accepte. Et le jour de vendredi. Et quelqu'un qui est en train de dormir, et tu te réveilles en pleine nuit en même temps, fais droit. Ce moment-là, Allah accepte le droit. Et le moment que la pluie est en train de tomber, quand la pluie tombe, fais droit, Allah accepte le droit. Le moment que tu attendais, le poule est en train de chanter. Fais droit. Le prophète a dit, si vous voyez le poule qui chante, il a vu l'âne. Faites droit. Mais si vous voyez l'âne en train de crier, demande protection, il a vu diable. Et le jour de Arafat, faisait droit. Et après 5 prières quotidiennes, faisait droit. C'est le temps que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte droit. Et quelqu'un qui est dans le jeûne, faisait droit. Le moment de couper les carêmes, faisait droit. Avec le jof de l'aïli, la nuit, vers 3 heures comme ça là, faisait droit. Parce que chaque 3 heures, Ali s'est montré que la puissance d'Allah descend jusqu'à dans les premiers cieux. Allah lui demande, qui a le péché, veut que je vais lui pardonner. Qui a le problème, il veut que je vais lui aider. Qui veut le secours, je vais le soutenir. C'est comme ça, Allah lui demande. Demandez, faisait beaucoup de doigts. Wallahi, doigt que vous voyez là, il a dit, Abdu'aou, ça change beaucoup de choses. Doua'ou. Il y a le malheur qui vient comme ça, ça va tomber sur toi. Mais comme tu fais doua'ou, doua'ou se lève avec lui le malheur. Il se croise. Il dit, malheur, tu parles. Il dit, je m'avais fait tel client. Il a dit, moi, c'est mon client. Tu ne parles pas. Malheur aussi a dit, je vais partir. Et doua'ou et malheur commencent à faire le boxe. Le prophète a dit, celui qui va vaincre, c'est le doua'ou. Faisait doua'ou, doua'ou, ça protège ses frères. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à travers des doigts qu'il a pu sauver. Les mêmes quoi, ils ont fait les grandes réunions, ils ont dit aujourd'hui on va finir la sallallahu. Tous les tribus de la Mecque, 12 tribus, ils n'ont qu'à lever son gaillard, on les a bien formés. Comment tuer quelqu'un? Il vient, on va tuer Mohammed une bonne fois. Allah envoie Malaka, je lui dis, le Mohammed, il ne faut pas qu'il dorme dans sa chambre aujourd'hui. Avant que le prophète il va préparer pour sortir, les tueurs là, ils sont déjà là. Ils attendent le prophète. Avant que le prophète va sortir, il a fait doua et il est allé sur l'autre Yassi. C'est comme ça que Dieu a mis sommeil sur eux. Sommeil les a pris, mais que tu dois ou des Rasoul. Ils sont là comme ça avec leurs âmes. Ils sont en train de dormir. Oh, oh. Le prophète est venu passer entrer comme ça jusqu'à qu'il est parti. Doua ou. Si on est sincère, ça va passer. Mon oustaz Hafiz qui est décédé. Beaucoup ne le connaissent pas. Ça, c'est mon oustaz, c'est mon collègue, c'est mon ami. On était comme ça au marché des. Mais il est parti récemment. Bientôt, Inch'Allah, nous aussi, on attend les jours qu'Allah va nous appeler. Allah, prendre, nous sommes des musulmans. On ne serait pas de mourir. Allah, fait tout nous dire encore beaucoup. Mais quand même, le jour que tu vas nous prendre, il faut nous prendre, nous sommes des musulmans. Il a eu le problème, c'est donc. On va nous le fouler. À cause des papiers, c'est pas maintenant l'affaire. On dit le cas de cela. C'est comme ça il a dit Rabbi na jini min al-qawmi zalimin. Rabbi na jini min al-qawmi zalimin. Rabbi na jini min al-qawmi zalimin. Il a en train de citer cette mot là. Rabbi na jini min al-qawmi zalimin. Wallahi, Oustaz m'a dit, il a en train de faire ça. Après, il attend la voix, il a dit, Koum ya akhi, lève-toi. Marche, sors. Oustaz s'est levé. Il a pris comme ça, c'est toi, il a en train de marcher. Personne ne peut pas lui demander, tu vas où? Jusqu'à il est sorti à la porte, il a pu lui demander. Est-ce que cette course là, tu vas demander petit rien? Tu vas demander une course 10 000. C'est comme ça que Dieu l'a sauvé. Douaou, le barakate douaou. On est qu'à faire douaou, chers frères. Douaou, ça aide. Douaou, ça aide. Ça aide beaucoup. C'est à cause de ça. Allah prie, si tu as vu, il nous a garanti. Si tu m'appelles, Allah dit, je vais te répondre. Et s'il n'est pas montré, il faut un poulet noir, cola blanc, bougie, tissu blanc. Il n'a pas montré ça. Il a demandé Faïza ça à la Kaïba de Anifaini, Koribo, Uji, Bouddha, Awata, Da'i, Isa, Ta'ani. C'est pas fini. Bon, vous avez vu, ce qu'on vous dit amener tissu noir là, c'est pour vous faire peur. Sinon, il n'y a pas ça dans les jeux. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans les jeux. Car l'on donne la compréhension. Tu as les doigts, demande à Allah. Et doigts aussi, ça ne demande pas la mission. Tu as la mission, tu n'as pas la mission. Il y a ces doigts de tranquillité qu'on fait la mission.
Si contrôle t'a attrapé, tu as eu peur, tu as pété, ça demande la vision de faire droit. Hein? Ça ne demande pas la vision, il faut faire droit seulement. Tu es dans le problème difficile, Allah dit. Ça ne demande pas de droit. À droit, à chaque moment, on doit faire ça. Wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.